Merci beaucoup, Monsieur Christian Delerue. Je proposerais qu'on garde les questions pour la fin. Je vais inviter à prendre la parole nos deux autres invités qui sont dans le programme. On va continuer avec Stefania Gozo, qui est diplômée de l'Université de Bucarest en sociologie et assistance sociale. Avec sa spécialisation en psychopédagogie. Elle est aussi diplômée de l'Université libre de Bruxelles, avec un master en didactique de langue moderne anglais, français, langue étrangère. Elle s'est passionnée par la lecture et parce qu'elle aime les écrivains visionnaires, elle a choisi pour son mémoire un sujet qui porte sur l'éthique du vaincu dans l'œuvre de Panayotis Stratti. Et je voudrais mentionner le fait qu'avec ce mémoire, Stefania Gozo a obtenu le prix du département. Et à cette occasion, avec l'invitation de Monsieur Christian Delerue, on a fait une interview pour la revue Haïduk de l'association Les Amis de Panayotis Stratti, une interview qui était conduite par Dana Radler, notre collègue et amie de Bucarest, et par Monsieur Denis Torrel. Et je profite de cette occasion de vous remercier encore une fois pour cette participation à l'image de l'œuvre de Panayotis Stratti ensemble. Stefania Gozo, il y a encore beaucoup de choses à dire si je peux compléter son portrait, mais je vais m'arrêter sur le fait qu'elle commence une thèse, un doctorat, ayant pour sujet les mythes dans l'œuvre de Panayotis Stratti et Stefan Zweig. Et c'est voilà ce titre, si vous voulez, qui fait le lien entre les préoccupations, les intérêts de Stefania Gozo et le sujet d'aujourd'hui. Et je vais vous faire une confidence, un aveu, un secret. Mes étudiants sont habitués à avoir de temps en temps de mes secrets. C'est Stefania Gozo qui a inspiré le titre de notre rencontre aujourd'hui, Les Mythes. Je suis partie de son titre, de sa thèse, Les Mythes dans l'œuvre de Panayotis Stratti et Stefan Zweig. Et je me suis dit, on va essayer aujourd'hui de construire tous ensemble autour de ce sujet. C'est aussi pour créer la base de son départ dans son sujet de recherche. Et je vous remercie de participer à cette construction, Monsieur Christian Delrue et Monsieur Marius Mietz. Stefania, vous avez la parole. Ok, un peu d'aide s'il te plaît pour tout le monde. Est-ce que Oui. tout le monde peut voir le PowerPoint? Non, c'est pas encore parce qu'on doit faire comme ça. Tout de suite, on a. C'est ici. Ah, ok. Ouais. Partager. Je fais partager Ouais. l'écran Ouais. d'habitude. Et maintenant, on va là. Ok. C'est normalement. Bonjour à tout le monde encore une fois. Ma présentation elle est un peu plus didactique parce que j'ai 42 ans et déjà je vois que j'ai la tendance, moi, à 42 ans, d'oublier l'histoire. Et je vois que l'histoire, malheureusement, se répète tout le temps. Et donc, c'est un petit rappel de l'histoire également, parce que pour moi, personnellement, le communisme, c'est un mythe, c'est une utopie. Et je suis partie un peu du concret, du cadre, pour arriver à ce Panayotis Strati. D'ailleurs, la première page, donc la page de garde, si vous voulez, l'affiche que vous avez derrière, c'est fait par un mouvement qui s'appelle Paix et Liberté et qui était conduit par Jean-Paul David. Et donc, ils ont fait des milliers d'affiches pour dénoncer en France, pour dénoncer notamment la dictature stalinienne qui produisait énormément
énormément de tortures et qui s'était retournée contre cette jolie utopie voilà, de la révolution socialiste. Notre histoire, comme toute histoire, commence par ce que j'appelle l'inégalité sociale. Et les images que vous avez sont des images très actuelles. Et pour moi, j'ai pas trouvé un effet en français, comment dire. L'anglais, je pense que ça, c'est beaucoup, ça prend beaucoup mieux l'essence de filthy rich, parce que pour moi, c'est voilà cette richesse hors bon, hors limite, qui se trouve à côté de la misère également sans borne. Et cette inégalité sociale, donc cette histoire qui se répète depuis toujours, a également fait rêver les gens parce que je pense qu'aujourd'hui encore, il y a pas mal d'entre nous qui se demandent comment faire pour lutter contre ça. Et bien entendu, il y avait des gens qui ont pensé qu'il faut arriver à des solutions absolues, il faut arriver à des utopies, on va dire. Il faut arriver à des plans pour mettre fin à ça. Il y avait des gens que je ne mentionne pas ici, mais peut-être Prudhomme, par exemple, qui était un grand anarchiste, ou Bakounine, parmi les Français. Mais les plus connus sont les deux. Donc ça, c'est Marx à gauche et Engels à droite. Ils sont les co-auteurs de Manifeste du Parti communiste. Et ils sont devenus très très connus dans le monde entier parce que c'est sur leurs épaules, on va dire, qu'on a créé d'une manière fausse ce communisme, pardon. Marx, c'est étrange. J'ai lu l'autre jour un article et il y avait quelqu'un qui disait que sur Marx, on peut parler 2 minutes, 2 heures, 20 heures ou 2 semaines sans le finir. J'ai essayé de vous expliquer au mieux, et je pense que c'est l'affiche qui parle tout, donc c'est une affiche électorale du Parti ouvrier belge de 1900. En effet, Marx pensait que voilà, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte des classes, mais que c'est ça ce qui fait l'histoire avancer également. Et cette lutte des classes se base sur le fait que les ouvriers, donc ceux qui produisent, les travailleurs, n'ont pas les moyens de production. Les moyens de production sont dans les mains de ceux qui en profitent. Et donc ce sont les deuxièmes là qui boivent et qui sont un peu gros. Voilà. Et eux, à leur tour, pour garder les richesses, s'appuient sur l'armée ou la police, si vous voulez, et sur la religion qui dit aux masses, il faut obéir. Donc ça, c'était la vision du monde. Et bien entendu, Marx, Engels, et pas seulement, rêvaient à cette abolition de la propriété privée, passer par une phase de dictature du prolétariat. Mais attention, pour arriver à une société sans classe et sans État. Et moi, je souligne ça parce que c'est dans la conception de Marx, les prolétaires de partout devraient se réveiller. Et dans sa conception, il n'y avait plus d'État. Donc, il pensait à la fin, d'après moi, il pensait que l'homme, il est de nature bonne et qu'à la fin, c'est cette fraternité qui va gagner. Partout, et que les gens vont apprendre à vivre, à convivre dans un état presque anarchique, okay, où tout le monde va être frère, sœur avec tout le monde. Donc ça, c'était Marx. Et bien entendu, ça, c'est une autre histoire, c'est la révolution soviétique. Donc, les pays où cette révolution a commencé, la Russie, et pourquoi là? Il y a un cadre. La Russie, déjà, a toujours été un pays énorme, hein, comme maintenant, mais l'a toujours été. Donc, ça occupe un septième de la superficie de la Terre. Donc, c'est vraiment un pays gigantesque. Et c'est un pays qui est très en arrière,
Maintenant, et c'était très en arrière avant, c'est-à-dire que le servage, par exemple, est aboli seulement en 1861. On a une monarchie presque absolue et un féodalisme. On passe vraiment très, très peu du féodalisme en 1900. Et en 1900, on avait en Russie, par exemple, 100 millions de paysans très pauvres, des ouvriers très pauvres. Et à côté, vous avez des grands industriels, donc l'industrie qui pousse. Et donc, c'est sur ce fond de pauvreté, d'inégalité sociale incroyable, se passe cette révolution en février. J'insiste parce que je ne sais pas exactement comment ici on vous a expliqué l'histoire, mais par exemple, dans tous les pays ex-soviétiques, dans tous les pays communistes, l'histoire, par exemple, quand on parlait de la révolution soviétique, c'était oh, les masses des Russes, les prolétaires sont sortis dans la rue, ils ont fait la révolution d'octobre, et il y avait une courte période où ils ont dû se battre, et tout a été hyper chouette, et tout a été bien, mais ce n'est pas la vérité. Donc il y a une phase de révolution février, où il y a les soldats qui n'acceptent plus à obéir à leurs officiers, et donc l'armée n'accepte plus à obéir aux riches, on va dire très simplifié. Nicolas II abdique. Il y a un gouvernement provisoire qui se forme, qui est formé de l'opposition. Il y avait un parlement qui s'appelait Douma, mais qui n'avait pas beaucoup de pouvoir. Et donc, c'est ce gouvernement, c'est l'opposition de Douma qui arrive dans le gouvernement provisoire. Et en parallèle, il y a les soviets. Donc, les soviets où les soldats, les partis révolutionnaires y sont. Et si on vote quelque chose, on vote ça à main levée. Donc, c'est tout simplement ça. Et les soviets, il y avait la révolution, en effet, tout le monde rêvait, ou pas presque tout le monde rêvait de révolution, mais pas tout le monde rêvait de la même révolution. Et les soviets, par exemple, étaient formés des socialistes révolutionnaires, qui étaient les majoritaires à ce moment-là, qui étaient de gauche, de droite, des marxistes, qui se partageaient en menchéviques et bolcheviques. Les mencheviks étaient des internationalistes, des mencheviks de droite, des mencheviks de gauche. Et les bolcheviks, qui est une toute petite fraction, mais qui sont très, très radicaux. Donc, voilà. Et c'est eux qui vont avoir gagné de cause. Parce que ce sont eux qui attaquent, d'après moi. Et donc, le problème, c'est que il y a ce gouvernement provisoire, mais il tarde de faire de réformes. Donc, la situation reste presque inchangée dans le pays. Et de ça, ce sont les bolcheviks qui en profitent, avec leur chef Lénine. Qui demandent que le gouvernement, qui est un gouvernement selon eux capitaliste, doit laisser le pouvoir aux soviets. Et donc, le 25 octobre de 1917, Lénine et Trotsky réunissent leurs partisans et renversent le gouvernement provisoire. Et à partir de ce moment-là, c'est le commencement de cette révolution soviétique. Révolution ou coup d'État, c'est en effet ce qu'on se demande encore aujourd'hui. Pourquoi? Il y a deux raisons. Déjà, la première, c'est quand on parle de révolution, on s'imagine des centaines de milliers de gens dans les rues. Pour moi, c'est ça une révolution. Là-bas, apparemment, les historiens maintenant disent qu'il y avait des centaines, pas des milliers, des centaines de partisans bolcheviques armés qui s'attaquent à des centaines de partisans du gouvernement provisoire. Et ils prennent le pouvoir parce que le chef du gouvernement provisoire, c'était quelqu'un qui s'était déjà enfui et le gouvernement tombe très vite. Mais comme Gorki, Maxime Gorki le dit après, les bolcheviques, en effet, n'ont pas demandé le soviet, n'ont pas demandé les camarades. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait pas ça? Ils ont pris la décision de seuls. Et après, ils ont mis le Congrès devant le fait accompli. Et
d'après Marcy Gorki, ce qu'ils ont mis en place, c'était une république oligarchique, c'était une république de quelques commissaires du peuple. Après, il y a cette période de guerre civile où, de nouveau, les manuels simplifiés disent l'armée blanche, l'armée rouge. Rouge, pourquoi? Parce que les bolcheviks utilisaient cette couleur rouge et blanc, c'est une couleur où ils disaient, voilà, c'est la couleur des impérialistes. Mais en effet, dans l'armée blanche, il y avait du tout. Il y avait, oui, il y avait des partisans du tsar, mais il y avait également des petits paysans. Il y avait également des révolutionnaires, mais qui n'étaient pas des bolcheviks. Et le fait parlant qui montre à quel point cette révolution était fausse et dénaturée du début, c'est la révolte de Kronstadt. Kronstadt, en effet, c'est une localité où il y avait, elle est connue pour les marins. Et les marins, c'était un groupe de révolutionnaires très unis. Ils ont participé à toutes les révolutions. Ils ont été présents en février, ils étaient présents en octobre. D'ailleurs, Lénine leur a, c'est un peu grâce à eux qu'il a réussi ce coup d'État. Et à un moment donné, ils voient que les camarades bolcheviks, non seulement qu'ils ne partagent pas le pouvoir, mais que les camarades bolcheviks commettent des crimes contre les ouvriers, qui ne respectent pas leurs camarades. Et donc, ils se révoltent le 1er mars. Et la révolte dure environ 2 semaines. Le 18 mars, l'armée rouge le décime. L'armée rouge, qui à ce moment-là, c'était l'ordre apparemment de Trotsky. Et voilà, il se sacrifie un peu pour rien ou pour l'histoire. Et le dernier coup, sur l'échiquier, c'était que les bolcheviks ont mis les mencheviks, qui étaient leurs camarades révolutionnaires, qui étaient les majoritaires, ils sont devenus hors la loi. Ici, vous avez le portrait de Lénine. Moi, je le voyais 10 000 fois par jour quand j'étais jeune. Et je pense que c'est le cas pour tout ce qui vient d'une ex-république soviétique. J'ai choisi un fragment. Donc, Maxime Gorki, je dois vous raconter ça parce que c'est intéressant. Maxime Gorki, c'est un écrivain russe très connu et qui a été assimilé à la révolution russe. Et Maxime Gorki, quand il était un révolutionnaire, il se trouve en exil. Quand il y avait le tsar, il se trouve en exil, il croise chemin avec Lénine et il devient un peu ami. En tout cas, ils sont des partisans qui luttent sur les mêmes barricades, on va dire. Et donc, quand Lénine fait anniverse ses 50 ans, Gorki écrit un article où il lui rend dommage, mais il se nie également que Lénine c'était un fou. Suite à cet article, Lénine signe un décret par lequel de tels articles sont anticommunistes et Maxime Gorki repart en exil. Et après, je veux seulement souligner les atrocités. Donc après, il y avait Staline. Donc c'est beaucoup beaucoup plus cruel. Pour moi, c'est un des plus grands criminels de l'histoire. Staline, qui est l'auteur de la Grande Purge entre 1936 et 38, il y avait 1,5 million de gens qui sont morts à cause de lui. Et durant sa dictature, il y avait 18 millions de personnes qui ont passé par les goulags. Les goulags, c'est ça. Ça rassemble énormément à des champs de travail. C'était un champ de travail, les goulags, des champs de travail nazis. Imaginez-vous 18 millions de gens qui passent par là durant la dictature de Staline. Donc voilà, ça c'est le portrait historique de la Russie. Avec ses mécanismes de pouvoir, vous avez Tcheka, c'est l'emblème de KGB. Voilà, c'est le V qu'on connaît tous de nos jours. Vous avez la propaganda,
Donc, on avait énormément de presse, mais qui faisait une publicité incroyable, qui entrait dans tous les cerveaux et mensongères, bien entendu, pour le régime. La nomenclatura qui on donnait des privilèges à des amis, comme maintenant. Voilà. Et avec qui n'est pas avec nous et contre nous. Ça, c'est une cité de Matthieu. C'était qui n'est pas avec moi et contre moi. Mais bon, ils l'ont pris, ils l'ont transformé. Et donc, on arrive enfin à Panaitistrati. Panaitistrati, je pense que vous savez l'histoire. Donc, lui, il est de gauche, comme souligné prédécemment. Il est à l'apogée de sa gloire, il est très connu, et bien entendu, les soviets l'invitent pour fêter la 10e anniversaire de la révolution, dans le but, bien entendu, qu'il est invité à l'honneur, parce que après il peut raconter à quel point la Russie, ou l'Union soviétique, parce que c'était déjà l'Union soviétique, est grande. Et dans ce voyage qu'il fait en plusieurs étapes, il croise chemin avec Kazantzakis et ils sont quatre. Imaginez-vous deux garçons, deux filles, d'accord? Bah, bon, ils étaient pas vraiment des garçons et des filles, mais on va dire deux jeunes hommes et deux jeunes femmes qui partent ensemble, d'accord, dans ce long voyage en Russie. Et ils décident en 28 d'entrer dans la Russie profonde. Leur but, c'était, on entre, on voit, on raconte ce qu'on voit et on écrit des articles qui étaient payés, ok, pour chanter louange au régime parce qu'ils étaient convaincus, tous les quatre étaient des révolutionnaires, ils étaient convaincus que la Russie est la patrie des libres. Et ici, vous avez un fragment, j'insiste pas, qui est pris de Vers l'autre flamme, où il raconte l'atmosphère de la Russie. D'accord? Dans la Russie, on fête, à Moscou, il raconte un frère ouvrier et les deux sont enivrés par cette révolution qui a réussi. Mais bien entendu, plus ils vont dans la Russie profonde, plus la réalité est sombre. Et bien entendu, c'est vrai que Vers l'autre flamme, c'est un bouquin très difficile à suivre. En effet, Panaitistrati, il est si hors lui de colère. J'ai l'impression également qu'il jette un peu d'ici et là. Moi, j'ai regroupé un peu ses constats dans ce qu'il voit. Je pense que beaucoup de ces constats peuvent s'appliquer aujourd'hui. L'économie défectueuse, pourquoi? Parce qu'on donne les usines aux ouvriers, mais les ouvriers ne sont pas outillés pour faire la production dans les usines. La propagande de partout. Il voit pas de liberté, mais de doctrine, et je pense que c'est la suite du fragment lu par vous. Donc, oui, il y a ces peuples qui ont été déjà annexés à l'URSS, et on dit ils sont libres. Mais, oui, dit Panaitistrati, ils sont libres, mais ils sont libres dans la manière de jeune fille médiévale, on est libre, tu sais, mais si on ne veut pas se marier avec celui choisi par les parents, c'est le couvent. C'est la corruption qui gangrène le pays. Il raconte des petits épisodes. Panaitistrati, il faut comprendre, c'était quelqu'un de très, très, très charismatique. Et donc, les gens allaient vers lui, lui parler. Il était très à l'écoute. Et donc, les gens venaient lui parler, lui racontaient des choses. Par exemple, dans un village, il y a une veuve dont le mari était mort dans la guerre en luttant pour les communistes, mais qui ne veut pas laisser ses filles entrer dans la jeunesse communiste. Et pour ça, on ne la laisse pas travailler. Donc, elle ne peut pas gagner sa vie. Après, il y a ce fragment que j'aime bien, que j'appelle les cochons Napoléon. En effet,
il voit, il fait ce tableau. Je sais une chose, c'est qu'une écrasante majorité de ma classe est arrivée au pouvoir, qu'en y arrivant, elle s'est tout de suite mise à bouffer, et que la bouche pleine, elle écarte de la table, elle laisse mourir de faim tous les frérots qui ne sont pas de son avis. Ok, donc ça, il décrit une réalité qui malheureusement continue aujourd'hui, les arrestations, déportations. On enlève l'homme où il se trouve, de son travail, dans la rue, chez lui, sous les yeux de ses enfants, cri-cri. Aucun compte à rendre à personne. S'il y a des condamnations, soyez heureuse qu'on vous la communique, ainsi que le lieu de votre enterrement. Voilà. Il fait le portrait de Staline. Franchement, voilà, il accuse que tout est bon. Il se cache derrière la doctrine. Il craint rien. Tout est fait pour lui réussir, même la débâcle dont il tire promptement les avantages pour son profit personnel. Avec ces continuations où on voit effectivement la personnalité d'Istrati qui toute la vie lutte dans sa tête, donc toute la vie se voit, il essaye de s'en tirer du prolétariat, de lever vers le haut le prolétariat, et là il voit cette révolution qui a été détournée. Mais j'ai le droit de tourner vers la tour bureaucratique et de lui crier « racaille ». Racaille qui est modéré, aujourd'hui fanatique, qui est barbotant dans du marxisme, aujourd'hui dans du léninisme, nous montre le même visage stupide, ta verre tout aussi intraitable, enfonce tout aussi profondément tes griffes dans la nuque de la masse bâillonnée et sabote ainsi la plus belle œuvre de justice sociale. Ok. Un autre épisode qui est raconté, qui montre également cette personnalité de Panaïte et pourquoi il n'a pas réussi à se taire à la fin. Ils sont les quatre dans un village et Leni Kazantzaki raconte cet épisode. Donc il y a quelqu'un qui vient lui parler. Les tovarishi, les camarades russes, passent et donnent aux paysans des conseils comment faire pour avoir une meilleure récolte. Il y a quelqu'un qui suit les conseils, une famille, et ils ont un vignoble qui est très bien. Et bien entendu, qu'est-ce qu'ils font les communistes? Ils disent « Ah, super, ton vignoble, il est plus beau que les autres. T'es un koulak, c'est-à-dire un paysan enrichi. Il veut confisquer le vignoble. » Et donc, toute la famille se réveille pendant la nuit pour déraciner le vignoble, et Panaïte est hors lui il comprend pas. Là où Kazantzaki qui se dit attends un peu, il faut penser avec la tête et avec pas le cœur, lui pour lui ces choses sont inimaginables. Et bien entendu il y a cette affaire Roussakov. Donc, Roussakov, c'est un ouvrier, 70 ans, qui est le beau-père de Victor Serge, un ami de Panaïte Istrati. Et donc, Roussakov habite avec sa famille dans un très beau appartement à Leningrad. Et le parti décide qu'il habite dans un appartement trop grand et on lui donne encore une fille. Une étudiante qui doit utiliser une chambre. Et cette étudiante accuse Roussakov d'être un saboteur. Donc, ils n'ont plus le droit de travailler. Ils ne peuvent plus gagner leur vie. Ils meurent de faim à la fin, si ça continue. Et il y a Istrati qui essaye de faire quelque chose. Parce qu'il avait déjà fait sortir, il avait déjà fait une intervention en faveur de Victor Serge quand il était arrêté en 1927, je pense. Ouais. Et il s'est fait la même chose, mais c'est pour rien. Donc tous ces efforts payent pas.
Et il se crie alors en URSS, on poursuit les ouvriers, on tue les amis. Est-ce que pour ce système-là que nous voulons sacrifier notre vie, notre œuvre, notre âme? Oh non, par exemple. Je sais crier, mon Dieu, je crierai à un... je vois pas le mot. En ouvrir les oreilles à Staline et à sa troupe. Et il essaye de faire exactement ça. Il revient en Europe et il décide, malgré les conseils de son mentor Romain Rolland, prix Nobel de la paix, qui à ce moment-là était en couple avec une Russe et qui essaie de lui dire que ça sert à rien, que l'Europe n'est pas préparée l'écouter. Et donc, lui, bien avant Gide, il publie Vers l'autre flamme. Et après, pour lui, les portes de la France se ferment. Et à la fin, on a ce fameux l'homme qui n'adhère à rien. Il dit que, voilà, pour lui, il y a plus de doctrine, mais que il continue à créer, à croire dans cette fraternité. Il croit que l'homme, je pense que la bonté humaine va gagner à la fin. Et voilà, c'est la fin de ma présentation et que je dédie à tous ceux qui refusent de se taire, parce que je pense que c'était Panagiotis, il était un de ceux qui refusaient de se taire. Voilà, merci.